Salut Ezio. Antonio Maffei a trouvé refuge au sommet du plus haut monument de la ville. Cet homme décoche autant d'oraisons que de flèches. Il est évident qu'il n'a plus toute sa tête. Et pour ne rien arranger, il a posté des archers dans toute la zone. Je te conseille de les éliminer avant de t'approcher de lui. Merci pour ces informations. J'amènerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton père, ton créateur?
N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi ? Pour l'amour du Seigneur, reprends-toi. No grazie. Sois maudit, démon. Le Seigneur te rappelle auprès de lui, mon ami. Mon heure n'est pas encore venue. C'est moi. Puisses-tu enfin trouver le repos éternel, corps et âme. Requiescat in pace. Signore, vous devriez vous montrer. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Ou je peux vous le commander. Tu sèmes le désordre ? Nous, on est là pour maintenir l'ordre. Je ne peux pas être ici. Là-bas, c'est lui ! Capturez-le ! Vous ne le regretterez pas. Revenez me voir souvent.
perdu la tête ? Ah, fichez-le. Mais regardez où vous allez ! Ruinez mon commerce ! J'ai déjà perdu 3 commandes cette semaine. Allez, allez, fichez-le camp. Et le plus loin possible. Tiens-toi tranquille, compris ? Ça, au moins, c'est une affaire réglée. Dis-moi, quand est-ce que tu vas me rendre les 10 florins que je t'ai prêtés la semaine dernière ? Il est agile. C'est indéniable. Descends tout de suite. Il est là! Allez-y! Prenez le verre de lui! Et finissons-en! Allez, bâtard! Il est très malin! Finissez-en, allez! Pas de risque inutile! Attendez le bon moment! D'accord? Chatique! Envoyez-les tout droit en entrée! Et finissons-en. Rassure-toi, ta mort fera des heureux. Pense à surtout, guerre, n'oubliez pas ce que je vous ai appris. Je te fais peur. Si on correr, oui, il n'a aucune chance. Allez, viens! Tu vas rester. Tu sais, normalement les armes, c'est fait. Ah non! Tu survis? Je te promets que tu t'écorcheras dans les règles! J'ai toujours détesté. Attends! Ne sois pas timide! Ce jour est béni. Je ferai en sorte de vous trouver quelque chose si vous revenez me voir. Thank you.
Ron. C'est un vrai lion. Tous nous sauver. Qu'il exécute ceux qui nous menacent. Qu'il ne fasse pas succomber. Pas vrai. Vous n'êtes que des barbares et des ignorants. Retournez d'où vous venez, fichez-nous la paix. Oh, misericordia. Mais que s'est-il passé ici? Mais il a vraiment perdu la tête. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Mais regardez un peu ce qu'il a fait. Assez vite! N'approchez pas! Ma quel diavolo! Je crois qu'il faudrait l'arrêter! Les faits aux femmes. Désolé, je ne voulais pas vous importuner. Arrêtez, je suis avec vous. Je vous respecte infiniment. Et voilà, là-bas. Prenez garde à l'infâme assassin. Mio Dio! Courez, courez! Au voleur! Au voleur! Corps! Approchez, approchez! Même si vous n'achetez rien, juste pour le plaisir des yeux! Dio beato. Il est bizarre. J'aimerais vous confier une mission délicate, mais qui me tient à cœur. Pourriez-vous convaincre mon imbécile de mari de rentrer à la maison et d'y rester, s'il vous plaît ? Venez, mes amis ! Cette semaine, tous mes prix sont sacrifiés. Ce n'est pas dangereux. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. Ce n'est pas dangereux. Dio del cielo, qu'est-ce qu'il a ? Là-bas ! Là-bas, c'est lui ! Seigneur, ne me rappelez pas à vous. Là-bas.
Il est là-bas. Plus vite! Il est là! On va l'avoir! Fais-moi confiance! Oh! Des agneaux pour les et encore, des agneaux. Y'a rien à voir ici, vous avez gagné! Dites-lui que je serai un mari fidèle et dévoué! Buonasera. Je peux soigner tous les malades. Je vends les plus beaux habits de la ville, confectionnés dans les tissus les plus nobles. Ezio, tu tombes à point nommé. Bernardo Baroncelli s'est manifesté. À la bonne heure. Dis-moi où le trouver et j'irai m'occuper de son cas. Ce n'est pas aussi simple. À son retour de Constantinople, Lorenzo l'a mis aux arrêts. Et ce scélérat a réussi à s'échapper. Nous pensons qu'il se trouve quelque part à San Gimignano. Va bene. Je vais bien finir par le trouver. Comment comptes-tu réussir là où nous autres nous avons échoué? J'ai ma petite idée. Je dois me dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Il va se décourager. Il se sentira perdu, désorienté. Ou mieux, il sera tué. Tout va s'arranger. Et s'il se présente, s'il me trouve, je me cacherai. J'irai me réfugier ailleurs. Comment trouver le sommeil? Quand dormir? Et où dormir? Il est ici! Allez! Fichez-moi la paix! Assassin! Vous n'avez rien. Non! Je savais que tu viendrais! Où est Jacopo? Je suppose que tu comptes lui réserver le même sort. Il n'est pas trop tard pour soulager ta conscience. Nous nous retrouvons le plus souvent à l'église. Je suis sincèrement désolé que ça finisse ainsi. Requiescat in pace. Nous vous en remercions. À vous souvenez de ce Suisse? Faites pareil. Allez, vite, allez. Allez, ne tombez pas dans son piège. Allez, mes frères, il vous verra pas arriver. On va faire pareil. Une pute. Allez, attaquez votre salle. Ne tombez pas dans son piège. Tu n'as aucune chance. Qu'est-ce que j'ai fait ?
Te voilà. Ça y est. Nous avons trouvé Stefano da Bagnone. Tu n'as qu'à suivre ce chemin, il te mènera jusqu'à l'abbaye où il a trouvé refuge. Attends, avant de partir, prends ceci. Tu pourras t'en servir pour faire diversion. Merci, mon ami. Risquez d'être déçu, mais je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Continuez à vous bercer d'illusions, si cela peut vous aider à tuer le temps. Vous blasphémez ? Non, je suis lucide. Tout de même, renier jusqu'à son existence, c'est la seule réponse rationnelle à tous ceux qui voudraient nous faire croire qu'il existe quelque part là-haut, un être invisible et suprême. Faites-moi confiance. Si ce que raconte votre sacro-sainte Bible est vrai, alors je dois rester vigilant. Voici venir l'heure de vérité. Où est Jacopo ? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ils se réunissent dans l'ombre des dieux romains. Sois libéré de tes craintes. Requiescat in pace. Pauvre idiot ! Laissez-moi partir ! Je connais celui-là. Ezio, par ici. Ezio, par ici. Nous avons trouvé l'archevêque Salviati. Il s'est barricadé derrière les murs de cette villa. Emmène quelques hommes. Ils élimineront les gardes. Ensuite, escalade les murs et trouve un moyen d'ouvrir les portes. Ah, je commanderai ma propre armée. Jusqu'ici, j'ai toujours agi seul pour éliminer mes cibles, ça va me changer. Ça me plaît. Passe devant. J'en suis sûr. Je vais me... Ça ne sert à rien, assassin. Ces murs ont été bâtis voilà un siècle. Je t'assure qu'ils tiendront un siècle de plus. Cesse de sacrifier tes hommes pour rien. J'en suis sûr. Attends, je ne te le redirai pas. Tu vas au-devant d'une mort certaine. Renonce. Je ne suis jamais contre lui. Qu'est-ce que vous faites? Oh!
Je le connais. J'en suis sûr. Là-bas ! Ne le laissez pas s'enfuir ! Il te faut la permission de ta maman. Meurs, Kat. Attention! Tenez-vous prêts! L'assassin est arrivé! Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir les portes. Je t'avais dit de ne pas approcher, assassin! Tu aurais dû m'écouter! Des promesses, toujours des promesses. Ce ne sont pas quelques mercenaires qui vont m'effrayer. Ah ! Méfie-toi. Veux-tu que je fasse parvenir ta dépouille à cet ivrogne de Mario ? À quoi bon ? Il aura bien trop de mal à te reconnaître. Ta stratégie n'est pas ton fort. Tu débites des inepties tandis que tes hommes se font massacrer. Je veux bien faire un geste. Voilà ce que je te propose. Si tu pars, je rappelle mes hommes. Pas question. Tu es sur ma liste. Ton sort est scellé. Arrachez-lui tous les membres. Nous allons repeindre les murs avec son sang. Curieuse façon de traiter ses invités. C'est impossible. Garde ! Allez ! Il ne sortira de l'ombre qu'au moment de rejoindre les autres. Je l'attendrai. Mais dis-moi où. La foi nous apporte toujours l'apaisement. Non, la souffrance. Requiescat in pace.
Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. Ne cherchez plus. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon voyage! Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre? À bientôt, Ezio. Thank you.
Satisfaction garantie. Ceux qui trouveraient mes articles trop... C'est pas de la fausse monnaie, j'espère. Approchez, approchez. Ne soyez pas timide, je suis là... La réputation de nos articles n'est plus à faire. Seigneur, j'adore, ton corps n'aura pas été marqué en vain. Si tu endures ces souffrances, retenir mon bras assez longtemps, il me mènera aux autres Templiers. Et j'aurai d'autres noms sur ma liste. Que se passe-t-il ? Ils sont en retard. Ils ne m'ont pas vu que je sache. Je me demande ce que vous complotez tous, Jacopo. Va, è la vecchia!
Je sais pas ce qu'il a bu, mais j'y goûterai bien. La lettre évoquait Venise. Il y a des Templiers, là-bas aussi ? Encore un étranger. Combien d'hommes sont responsables de l'exécution de mon père ? Pardonnez-moi, maestro. Oh, j'ai fait de mon mieux, mais l'assassin était trop fort. À l'évidence. Sinon les autres seraient avec vous. Et grâce à votre incompétence, Florence est toujours aux mains des Medici. C'est la faute de Francesco. Il s'est montré beaucoup trop impatient. J'ai bien essayé de le raisonner, mais... Vous vous êtes comporté comme un lâche. Parlons de vous, signore Barbarigo. Si vous nous aviez fourni des armes au lieu de cette camelote que vous autres Vénitiens appelez... Assez ! Nous faisions confiance à votre famille, et en retour, vous vous montrez inutile et incapable ? Et quand vous devez rendre compte de vos erreurs, vous avez l'insolence de nous faire affront ! Savez-vous à quoi vous vous exposez ? Je l'ignore. Vous l'ignorez. Moi pas. Hein ? Non ! Pitié ! Non ! Non, pas de pitié. Rien n'est perdu. Si vous m'épargniez... Non. Quel gâchis. Je suis désolé de t'avoir devancé, assassin. Tu croyais peut-être que j'ignorais que tu l'avais suivi ? Que je ne l'avais pas prévu. Tout était organisé depuis longtemps. Tuez-le. Je sais que vous obéissez aux ordres. Alors libérez-moi, et je vous laisse la vie sauve. Ha ! Elle est bien bonne, celle-là ! Là-bas ! Allez, attrape-le ! Viens !
Dieu! Dieu! Va, mon ami. Sois libéré de tes fardeaux et de ta peur. Requiescat in pace.
Tu... Là-bas, allez. Salute a voi! Tous les pazzi sont morts. Sans exception. Je dois admettre... que jamais je n'avais souhaité si ardemment la mort de certains de mes semblables. Moi non plus. Ezio, je voulais te remercier. Grâce à toi, je garde encore l'espoir de réaliser mon rêve. Tout l'honneur est pour moi, signore. Que vas-tu faire maintenant, mon garçon? J'ai encore des ennemis à traquer, signore. Ces rapaces ont déjà planté leurs serres dans le cœur de Venise. Non. La belle Venise? Alors ce sera la prochaine étape de ton voyage. Avant que tu ne partes, j'ai quelque chose pour toi. Un cadeau. Cette cape t'identifie comme un ami des Medici. Tant que tu la porteras, les gardes se montreront plus indulgents à ton égard. Mais attention, elle ne t'assure pas l'immunité pour autant. Puisse la fortune guider ton bras et ta lame. Je peux soigner tous les malades. Je peux aussi vous proposer tout un tas d'invendus.
Vous serez satisfait, je vous le garantis. Là-bas, c'est lui. Basta. Leonardo. Leonardo. Il n'est plus ici. Je suis vraiment désolé. Un noble vénitien a commandé à Ser Da Vinci une série de portraits. Il lui a même donné de l'argent pour qu'il installe son atelier à Venise. Une vraie chance pour lui. Je te remercie, mon ami. J'ai toujours détesté ces moments-là. Comment ça connu? Bravo! On est avec vous! Montrez-leur! Forza! Bonjour, non? C'est inhumain! Anti-voleur! N'approchez pas! Bonjour!
Tu tiens vraiment à ce que je sorte mon épée? C'est tout. Aucune endurance. Tu manques d'entraînement. Viens me chercher. Tuez-le! Il est là! Allez! Là-bas! Allez plus vite! Capturez-le! Ne cédez pas! Nous apprécions par l'arrière! Débordez-le! Génial! On va tester son courage! Il te faut la permission de ta maman! Tu vas le regretter! Par l'arrière! Débordez-le! Il n'a aucune chance! Une petite... Allez, on n'aime pas. Ce sera le moment d'attaquer. Alors, tu attends l'autorisation de ton chef? Finissons-en. Ça, c'est pas vrai. Ah. Meurs! C'est sûrement ces bandits venus du sud. Et tout ça pour quelque chose. J'ai servi des ducs, des princes, des rois. Et moi qui vous prenais pour un homme du peuple. J'accueille tous ceux qui ont besoin d'aide. Leonardo! Ezio? Quelle chance! Je suis confronté à un petit problème. Tu as besoin d'un coup de main? Je sais comment le réparer, mais je n'y arriverai pas tout seul. Tu pourrais soulever le chariot? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? On dirait une chauve-souris géante. Oh, ce n'est rien. Un projet sur lequel je travaille. Je ne voulais pas l'abandonner. À quoi ça sert ? Je ne devrais peut-être pas t'en parler. Bah, al diavolo ! J'en ai assez de me taire. Ezio, je crois qu'avec cette machine, l'homme pourra voler comme un oiseau. Bien, je prends les rênes. Mais je ne t'ai même pas dit où je me rendais.
Venise. Quelle ville magnifique. Tant de sources d'inspiration. Le pont du Rialto, la place Saint-Marc, l'Arsenal. Qu'y a-t-il ? Nous ne sommes pas seuls. Que se passe-t-il ? Qui sont-ils ? Les hommes de Rodrigo Borgia. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Je crois qu'ils veulent notre mort. Leonardo, cache-toi ! Ils essaient de grimper à bord ! Repousse-les ! Il y a quelqu'un là-haut. Prends des virages serrés pour t'en débarrasser. Doucement, le chariot va se retourner. Accroche-toi ! Ça risque de secouer un peu ! On y est presque. Fuis, Leonardo. Ils sont là pour moi, pas pour toi. Je te retrouverai plus tard. Par commettre une erreur.
Maintenant. Il vous suffit d'attaquer au bon moment. Capito? Il y a quelque chose de malsain en vous. Vraiment.